Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette épidémie, disons cette maladie contagieuse venue de la Chine, qui fait trembler le monde et menacerait, dit-on, l'Afrique. Vous allez constater à la fin de mon intervention la solution africaine qui permet de prévenir cette maladie. L'une des solutions qui permet de prévenir cette maladie. Pour ce faire, je vais me contenter de répondre à des questions précises pour que les uns et les autres comprennent. Je ne vais pas faire un discours global. Donc, la première question est de savoir d'où vient concrètement cette maladie. Cette maladie vient de la ville de Wuhan, qui est dans le centre de la Chine, une ville de 11 millions d'habitants. Comment se manifeste cette maladie? Eh bien, cette maladie se manifeste à travers un simple rhume, une fièvre, une sorte de grippe, mais surtout à travers une respiration, sinon une infection respiratoire aiguë, qui est semblable à la pneumonie. La pneumonie, c'est une maladie, quand vous l'avez, vous avez du mal à respirer. Parce que vous avez l'impression que vos côtes vous font très mal. Ça, c'est la pneumonie. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire ou dans le nord, de la Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, cette maladie, nous la contractons en général, la pneumonie, durant l'harmattan. Donc, disons grosso modo ici que les symptômes de cette épidémie, de cette maladie contagieuse, c'est le rhume, un simple rhume, un rhume banal, une fièvre. C'est de cette manière que nous pouvons être sur la piste de cette maladie. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui souffrent de rhume, de pneumonie, ont le coronavirus. Mais l'on vous dit les symptômes, comment se manifeste cette maladie, ça veut dire, sont les symptômes qui vous permettent d'avoir une idée de cette maladie, de la piste à suivre pour guérir, sinon affronter cette maladie. Où se développe le virus? Eh bien, il faut savoir que le virus du coronavirus appartient à la grande famille des coronavirus. Et ces virus sont hébergés en général par les animaux. C'est-à-dire, on les retrouve dans les animaux. Donc, il faut vous dire que c'est des animaux que la maladie va se retrouver en l'homme. Ici, on a essayé d'identifier les animaux, les parties du serpent, on a écarté le serpent, on est arrivé à la chauve-souris, aujourd'hui au pangolin. Disons grosso modo que nous devons faire attention aux animaux parce que ce sont les animaux qui transmettent la maladie à l'homme. On vous dit que le virus est asymptomatique chez la chauve-souris. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas que quand vous allez voir la chauve-souris, vous allez constater que cet animal est malade et que cet animal peut vous transmettre la maladie. Non. La chauve-souris, le virus chez la chauve-souris est asymptomatique, c'est-à-dire rien d'apparent ne vous montre que l'animal est malade. Alors, cet animal passe par un animal intermédiaire pour contaminer l'homme. Alors, comment se transmet, comme on dit, cette maladie à l'homme? On vous dit que cette maladie passe, par exemple, de la chauve-souris à un animal intermédiaire comme le dromadaire que les gens mangent en Chine et se retrouve à la fin en l'homme. Et comment cette maladie se transmet d'homme à homme? Eh bien, d'abord de l'animal à l'homme,
c'est à travers les sécrétions animales, ce qu'on appelle le caca de l'animal. Donc, c'est à travers les déchets de l'animal, ces sécrétions, que l'homme peut déjà contracter la maladie. Le virus peut se transmettre à l'homme. Maintenant, l'homme le transmet à un autre homme quand il éternue, quand il tousse, quand il a des contacts étroits avec ses voisins, il peut les contaminer. Voilà comment de l'animal, la maladie arrive à l'homme. Alors la question est de savoir pourquoi cette maladie s'est-elle propagée aussi rapidement en Chine. Eh bien, je vais relever dans mes recherches trois points essentiels. Le premier point, ce sont les habitudes des Chinois. Pour les Chinois, cracher est curatif, c'est-à-dire cracher soigne. Parce que la médecine chinoise nous dit qu'il n'est pas bon de laisser entrer dans le corps la salive, parce que cela pourrait agir sur le fonctionnement de l'organisme. Donc, les substances que nous faisons entrer dans le corps peuvent agir sur l'organisme. Dès cet instant, le Chinois, pour sa santé, racle sa gorge et crache. En privé, en public, il crache. Or, comme nous savons que le virus se transmet à travers la toux, à travers le rhume, donc, si quelqu'un crache et qu'il a cette maladie, eh bien, cette maladie peut se transmettre à ceux qui l'entourent. En 2008, les Jeux Olympiques ont poussé les Chinois à chercher à mettre fin à ces habitudes. En 2010 aussi, de 2008-2010, les Chinois ont essayé, les autorités chinoises ont essayé de mettre fin à ses habitudes, ces Chinois qui se mettent à cracher partout où ils se trouvent. Mais cela n'a pas mis fin à leurs habitudes. Donc, la maladie s'est propagée à travers un comportement. Un comportement que les Chinois trouvent sain pour eux, mais malsain dans ce contexte précis. Il y a aussi l'alimentation. Je dirais pour résumer que lorsque nous observons le comportement des Chinois, nous nous rendons compte qu'ils ne mangent pas kasher, ils ne mangent pas halal. Quand je dis kasher et halal, je vais parler de manière symbolique pour vous amener à comprendre qu'il y a une loi, il y a des lois qui régissent l'alimentation. Par exemple, la nourriture halal, la nourriture kasher, va vous dire par exemple que l'animal doit être vidé de son sang avant d'être consommé, parce qu'il n'est pas bon de consommer le sang de l'animal. Or, le virus, par exemple, le coronavirus, peut se retrouver dans le sang des animaux. Donc ici, on se rend compte que la religion ne sert pas seulement à forger l'esprit de l'homme, mais aussi à contribuer au bien-être physique de l'homme. Non pas seulement au bien-être moral de l'homme. Donc, cette maladie nous amène à nous pencher un peu plus sur les lois qui régissent l'alimentation. Parce que nous constatons, par exemple, en Chine, que les animaux sont étouffés, tués de manière pas vraiment, de manière malsaine. Et cela peut être à l'origine de la transmission de cette maladie. Puisque le virus se retrouve dans des animaux et passe de l'animal à l'homme. Or, si l'animal est vidé totalement de son sang, eh bien, le virus exposé à l'air libre meurt après des heures. Donc, il faut que nous comprenions que certaines habitudes peuvent contribuer, peuvent favoriser la propagation de la maladie. Maintenant, quand nous pensons à la propagation de cette maladie en Europe et dans le monde, on vous dit qu'en général, les personnes, pour ne pas être mises en quarantaine, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent de la Chine avec un avion.
Elle s'arrête soit en Allemagne, dans un autre pays, et de ce pays-là, elle regagne, par exemple, l'Afrique, ou ces personnes regagnent un autre pays européen. Et donc, si ces personnes sont contaminées, il est très difficile de les mettre en quarantaine. Le second élément qu'on peut ici proposer, sinon la seconde hypothèse qu'on peut émettre pour ce qui concerne l'Italie, c'est que l'Italie est la porte d'entrée des clandestins en Europe. Mais ici, on a toujours les yeux tournés vers les Africains, alors qu'il y a des Asiatiques qui passent aussi par l'Italie pour entrer dans le monde. Et si ces personnes sont malades, puisque le système de santé en Europe défavorise ces personnes, ces clandestins, ces personnes ne peuvent pas publiquement se faire soigner. Et donc, si elles ont la maladie, elles vont, disons, favoriser la propagation de la maladie, parce qu'elles sont obligées de se cacher. Voilà un des éléments aussi qu'il faut ajouter pour essayer de comprendre pourquoi l'Italie est un foyer où nous voyons se développer aussi rapidement cette maladie. Maintenant, j'en viens à cette réponse, à cette solution purement africaine. Beaucoup de personnes, dont je crois Bill Gates, ont eu à dire que l'Afrique, disons, est exposée à cette maladie. Nous savons que le temps d'incubation de la maladie, c'est-à-dire le temps que mis par le virus pour se manifester en l'homme, est pratiquement de 14 jours, pas plus. Une personne est arrivée à 19 jours, mais c'est un cas isolé. Donc, il nous faut 14 jours pour que le virus se manifeste dans l'homme. Et nous savons qu'en Afrique vivent beaucoup de Chinois. Nous savons que les Africains n'ont pas les moyens de faire face à ce virus. Et pourtant, le virus a été découvert en décembre 2019 en Chine et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de foyer où nous voyons vraiment se propager à grands pas cette maladie en Afrique. Alors la question est de savoir pourquoi la maladie s'est développée par exemple en Chine. Et c'est ne s'est pas propagé où vivent aussi les Chinois, en Afrique, où nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire face à cette maladie. Eh bien, la réponse est dans le comportement. Le comportement des Chinois a permis, sinon a favorisé la propagation de cette maladie. Le comportement des Africains freine la propagation de cette maladie. Il s'agit de quoi? Eh bien, pour le comprendre, il faut déjà analyser les solutions qui sont proposées aux personnes qui souffrent de cette maladie. On vous dit qu'il faut de l'hygiène, il faut laver vos mains. On vous dit qu'il faut faire cuire les aliments parce que le virus peut se retrouver dans les aliments. Donc, les deux éléments sont à prendre en compte. Mais on oublie une chose. Pourquoi la maladie ne s'est pas propagée en Afrique? Parce que l'Africain ne lave pas seulement ses mains, il lave tout son corps chaque jour. L'Africain peut vivre dans des taudis, il peut vivre dans un taudis, mais il fera son bain, il se lavera tout le corps avant d'aller se coucher, en général. Et puisque même le climat nous amène à transpirer en Afrique, à tel point qu'il faut un peu d'hygiène pour aller nous coucher. Et donc, la solution africaine pour prévenir cette maladie est le fait d'inviter les uns et les autres à se laver tous les jours avant d'aller au lit. Parce que si vous êtes, par exemple, dans le métro, vous êtes dans un bus et quelqu'un a éternué sur vous, il n'éternue pas sur vos mains, il éternue sur vos cheveux, sur vos corps, sur votre corps et tous. Et sa salive peut salir. Peut se retrouver sur vos cheveux, se retrouver sur vos habits et pas nécessairement sur vos mains. Donc, quand vous arrivez du travail, quand vous arrivez de vos sorties et vous vous lavez avant de vous coucher, eh bien, vous tuez le virus, le coronavirus, parce que ce virus à l'air libre
meurt après au moins 2 heures, 3 heures de temps. Il meurt. Donc, le conseil à donner aux Africains, aux uns et aux autres, c'est de continuer de se laver. Et surtout, dès qu'ils rentrent à la maison, de se séparer des habits qu'ils ont portés, de porter d'autres habits, de laver ces habits, jusqu'à ce que nous puissions, disons, cette maladie puisse être circonscrite, qu'elle puisse être, disons, vaincue. Voilà ce qu'il faut comprendre de cette solution africaine qui est simple. C'est un comportement qui a été à l'origine de la propagation de cette maladie en Chine. Le fait de cracher partout. Eh bien, c'est un comportement qui permet de défendre, de protéger les Africains de manière inconsciente. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là sans apporter des preuves concrètes de ce que j'avance. Lorsque vous regardez les foyers en Italie, vous vous rendez compte que c'est dans le nord de l'Italie, en Lombardie, que cette maladie se retrouve, à Milan. À Milan, c'est vrai que nous avons l'aéroport de Malpensa où les gens viennent, entrent, sortent, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que la Venétie est aussi touchée. La région de Venise est aussi touchée. Donc, ces zones-là où nous avons de nombreux touristes est aussi touchée. Mais le sud qui ressemble à l'Afrique, le sud qui a un climat chaud, n'est pas touché. Ça, c'est un élément qui nous amène à comprendre que les personnes qui ont l'habitude de se laver tout le corps réussissent à bloquer cette maladie. C'est un moyen de prévention. Et je vais au-delà de cet exemple pour vous parler du traitement de la fièvre, puisque cette maladie se manifeste aussi sous forme de fièvre, sous forme de grippe. Qu'est-ce qu'on conseille aux uns et aux autres quand ils ont la grippe ? On vous dit de prendre une douche, un bain d'eau tiède, de boire beaucoup d'eau et de mettre des chaussettes mouillées. Eh bien, le bain d'eau tiède, c'est ce que les Africains font chaque jour sans souffrir de la grippe. Et donc, voilà ma petite contribution à la prévention de cette maladie et ce que l'Afrique aujourd'hui apporte de manière innocente au monde comme contribution à la prévention de cette maladie. Merci.